Bonjour et bienvenue dans ce 10e volume de notre série DVD MusicClassroom.com, ici consacré à l'analyse musicale. Analyser une pièce musicale, c'est mieux comprendre les fonctionnements de la composition afin de mieux la lire, l'interpréter et bien évidemment l'apprécier. Mais l'analyse musicale nécessite la maîtrise d'un certain nombre d'éléments de la musique, tels par exemple la théorie, le rythme, l'harmonie, la mélodie et les thématiques, l'instrumentation par exemple et l'orchestre, et bien évidemment les structures et les formes musicales. Pour cette raison, je conseille vivement aux musiciens débutants de voir ou de revoir les DVD précédents numérotés de 1 à 7. Afin de mieux illustrer l'application d'une analyse musicale, j'ai choisi pour vous l'une probablement des plus belles pages de la musique classique, voire de la musique tout court. Je veux parler du second mouvement andante du concerto pour piano et orchestre numéro 23, Köchel 488 de Mozart. La structure d'une pièce musicale apparaît comme un véritable décor dans lequel viendront jouer les principaux acteurs thématiques. La forme et donc la structure de ce second mouvement andante est en trois parties. La première partie, A, expose le premier thème. Ce premier thème est divisé en deux éléments, A1 et A2. L'exposition de ce premier thème est suivie d'un pont, ou donc d'une transition, qui nous mène à la partie B, qui inclut le second thème. Ce thème B est lui-même conclu par une transition qui ramène la partie A que nous avons nommée ici A', parce que légèrement variée par rapport à la première exposition. Cette partie A' est donc une véritable réexposition du thème A avec ses deux éléments, suivi d'un commentaire du second élément A2, que j'ai nommé ici A'2, au piano notamment, qui est une variation ornementale du thème A2. Nous trouvons ensuite une transition assez courte qui nous mènera à la coda, à la terminaison donc du mouvement. On a donc une forme tripartite, trois parties, que nous nommons forme lead. Étroitement liées les unes aux autres, les tonalités s'enchaînent au cours de la pièce musicale comme autant de couleurs qui nous font passer en alternance de l'ombre à la lumière. Suivons à présent le parcours tonal de ce second mouvement andante, ou donc le parcours des tonalités et des modulations éventuelles, c'est-à-dire des passages d'une tonalité à une autre. Nous reprenons ici le plan de la structure que nous avons vu précédemment, avec sa partie A, B et A'. Dans la partie A, c'est-à-dire l'exposition du premier thème, nous avons le thème A1, ou premier élément du thème, qui commence donc en fa dièse mineur, qui va faire une petite incursion, c'est-à-dire un emprunt dans la tonalité de la majeur, l'emprunt étant donc une modulation passagère de très courte durée. La majeur étant donc le relatif, ou tonalité relative de fa dièse mineur, et ce thème A1 se conclut avec la tonalité de sol majeur, donc l'accord de sol majeur, qui n'est autre que le ton de la sixte napolitaine en fa dièse mineur, c'est-à-dire le deuxième degré abaissé d'un demi-ton. Le deuxième degré étant sol dièse, nous retrouvons avec un demi-ton plus bas, sol majeur, ton de la sixte napolitaine. Le second élément du thème A, donc A2, commence lui également en fa dièse mineur, et conclut sur l'accord de sol majeur, également le ton de la sixte napolitaine.
Enfin, pour conclure cette partie A, nous trouvons le pont, qui est lui aussi dans la tonalité générale de ce mouvement, c'est-à-dire Fa dièse mineur, et qui va peu à peu s'orienter vers La majeur pour nous préparer à la seconde partie, c'est-à-dire du deuxième thème, qui lui est en La majeur, c'est-à-dire le ton relatif de Fa dièse mineur. Le thème B est donc exposé en La majeur, et la transition qui le suit est elle aussi en La majeur, mais s'oriente progressivement vers Fa dièse mineur pour faire le lien avec la troisième partie, c'est-à-dire la réexposition du thème A, du premier thème, qui lui commence avec un premier élément, comme nous l'avions en Fa dièse mineur avec de petites incursions en La majeur et Sol majeur, le ton de la six napolitaine, un thème A2, c'est-à-dire deuxième élément du premier thème, qui lui également est en Fa dièse mineur comme dans l'exposition, et se conclut sur Sol majeur, le ton de la six napolitaine. Ensuite, un thème A'2, qui n'est autre qu'un commentaire orné du thème A2 au piano solo, qui lui reste dans la tonalité principale de Fa dièse mineur. Puis une transition de quelques mesures qui utilise également la tonalité principale de Fa dièse mineur et conclut sur l'accord de Sol majeur, donc de six napolitaine, avant la conclusion finale ou coda qui est elle aussi dans le ton principal de ce mouvement, c'est-à-dire Fa dièse mineur. Donc le parcours tonal est relativement simple. Nous avons un mouvement en Fa dièse mineur avec une incursion en La majeur, la tonalité donc relative, pour le thème B. Si ce cours vous intéresse, alors poursuivez-le et commandez dès à présent l'ouvrage complet et son DVD sur la page boutique de notre site internet www.musicclassroom.com, chez vous sous 48 heures en port gratuit.